600. Hold. Fold. Fold. 600 to call. No. Fold. Two layers. Check. Tu restes combien de temps, Eric? J'expliquerai après. Bet 1300. C'est la première fois que tu viens toi à Malte? Deuxième. La première fois, je suis venu chercher un petit pic. À quoi? Je suis venu pour un EPT. Ok. Check. Et t'as fait un résultat? Tu dis que t'as eu un pic? J'ai gagné le premier tournoi que j'ai fait en PLO. Ça, c'est bon. Du coup, tu as un titre pété en PLO? J'en ai plusieurs. J'en ai 1, 2, 3. 3. Hop. J'ai 3 en EPT. 3 et 3, 3e, 3 deuxième place et une troisième place. En PLO, PLO, ILO. Ok. Tout sur EPT Monaco, ouais, Prague, Barcelone. C'est des files de combien de joueurs sont... Celui que je gagne à Barcelone, il est, on était 280. Ouais, c'est quand même des beaux fields. Celui de Malte, je crois que c'était 80 joueurs. Ouais, ça c'est plus chill. Après, il faut quand même battre les 79 autres. Je connais même pas les règles du ILO, tu vois. Ça c'est plus compliqué. Il y a des conditions pour que le lot joue, c'est pas un truc du genre. Exactement. 6100. En fait, pour que le lot puisse jouer, il faut qu'il y ait 3 cartes inférieures aux 8. Ok. As 2, 8, ouais. As 2, 6. Ah, là, c'est considéré comme une carte inférieure. Voilà. Oui, comme une petite carte, okay. Ou une grosse. Ok. Où les gens font beaucoup d'erreurs, c'est qu'en fait, bon, je prends un exemple, le meilleur lot, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Voilà. C'est pas considéré comme une carte, ça? Si, aussi. On appelle ça, c'est rolls. Donc, en fait, tu gagnes en haut, tu gagnes en bas. Ok. Voilà. Mais beaucoup, par exemple, vont aller chercher un lot. Alors qu'ils n'ont rien en haut. Ouais, donc t'essayes de split. Mais en fait, ouais, voilà, t'as tout compris. Surtout que, ouais, où genre ils sont turn, ils se disent si la river vient toute carte, j'ai notre lot, mais ils sont même pas sûrs d'aller le toucher. Ouais. Ou et alors, quand ils le touchent, ils split. Ou alors ils ont nuts en haut, mais en bas, ils savent rien jouer, tu vois. Et si c'était un board genre As-3-8, tu sais qu'il va avoir un lot. Ouais, mais du coup, t'as peut-être nuts en haut, mais tu peux te dire que tu peux essayer de faire folder un. Et dans le pire des cas, ouais, c'est ça la stratégie. Mais c'était pété Monaco, là j'avais commencé, la première main j'ai triplé. J'étais chip leader dès la première et j'étais chip leader jusqu'à 3 left. Propre. On était 100 une centaine de joueurs. Et puis je perds tout contre celui qui gagne évidemment. Et je finis deuxième. C'est pas mal aussi. Autant le OMA devient de plus en plus populaire, autant j'ai l'impression qu'il y a vraiment... aucune autre variante en fait qui soit vraiment populaire chez nous, peut-être plus en Amérique, je sais pas, mais en tout cas en Amérique ils sont nés avec 4 cartes en main, hein. Ah ouais, en Amérique jouer à ILO c'est compliqué, hein, parce qu'ils sont très très forts, hein. Okay. C'est comme le stud c'est leur jeu, quoi. Moi je joue tout, je joue le raz aussi. Je connais pas la règle non plus. Ouais, je joue le stud, le raz, en fait après tu as le horse, ça c'est truc... Omaha, ouais. Limit, Hold'em, Omaha, stud, Raz, Stud ILO. Ok. En fait, là, le problème, c'est que t'as climaté à chaque fois à la game. Ouais, parce que t'as des mecs qui vont avoir un style de jeu dans l'autre. Ils vont être agressifs dans l'un, ils vont être passifs dans l'autre. Et puis, il faut bien suivre. Ouais. Tu te trompes de jeu. Ben, ça m'est déjà arrivé. En fait, le Raz, tu dois faire le jeu le plus mauvais. Et le Stud, tu dois faire quoi, le jeu. C'est quoi, c'est comme le 12-7? Non, c'est encore autre chose. Ouais. C'est deux cartes apparentes. Puis les cartes que tu ne vois pas, pardon, puis les cartes apparentes, et après encore une carte. Mais tu dois faire donc en ras le jeu le plus mauvais et en stud le jeu le meilleur. Okay. Mais parfois ça change et ça se suit. Et si tu le vois pas, ça arrive, tu le vois pas. Hein. Moi, j'ai plein de fois. Alors que tu penses que tu es bon et en fait t'es pas.
Mais ça, écoute, les Américains, faut pas jouer, ils sont trop forts. Ok. Surtout le stun. Après, tu sais pas pratiquer beaucoup. Ça, c'est le problème. En ligne. C'est comme ça que je suis arrivé à faire des trucs, parce que je jouais que ça en ligne. Mm-hmm. Parce que les pros, il n'y a pas beaucoup de pros là-dedans. Non, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent à se faire. Voilà, donc je me suis vraiment perfectionné dans ces games. Mm-hmm. Et pour répondre à des sous de problème, je pense, parce que le holding, il a fait chier les gens. Des games comme ça, à 6, où ça joue, c'est bien. Mais à 9. Quand t'es à 9, 10, c'est chiant en mode. Surtout cas, moi, si t'es désert pendant 3 heures. C'est pour ça que je vais bifurquer comme ça. Et puis les joueurs qui sont récréatifs, ils ont plus souvent quelque chose. Ils ont plus souvent des tirages, ils ont plus souvent des paires, ils ont l'impression de toucher plus. Donc ils passent un meilleur moment. Exactement. Ça l'a dépassé au WSOP. Je suis 6ème sur 5 places de bracelet. C'est là que tu me disais que certains croupiers ne connaissaient même pas les règles. Exact. De toute façon, au WSOP, tu as plein de croupiers dans les variantes, ils ont vraiment du mal. Yawn, yawn, yawn. All right, guys, take your time. Yeah. Is that too? You sick? Oh, yeah. Oh my gosh! You sick. You sick. Welcome to Belgium. Welcome to Japan. Ah, les gens vont venir fou, ils vont dire ils font des affonds avec du Dom Pérignon. Ouais. Et des croque-monsieur. Fold. Show the bluff, show the bluff, show the bluff. Insurance 400. C'est quoi? Je te les paye volontiers les 600. 3, 2, 1. You pay 400? Non, 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 non. J'ai failli, il était dans la gueule. Tu les méritais, tu les méritais. En fait, je me dis que c'était ça et que c'est bien aussi.